Une fillette de 2 ans a été tuée et une vingtaine d'autres personnes blessées lors de frappes sur Dnipro dans le centre de l'Ukraine. C'est le gouverneur de la région qui a donné ces informations. Selon lui, la frappe intervenue samedi soir a détruit 2 bâtiments d'un quartier résidentiel et 10 maisons. 5 enfants font partie des blessés, plusieurs sont grièvement touchés. Une fois de plus, la Russie prouve qu'elle est un État terroriste, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Côté russe, des tirs d'obus ukrainiens ont tué 2 personnes samedi dans la région de Belgorod, a fait savoir le gouverneur local. Ces derniers jours, les villages frontaliers de cette région ont été touchés par des tirs d'artillerie sans précédent, selon des sources russes. Des milliers d'habitants ont été déplacés de chez eux.